qu'est-ce que tu fais? Commence pas, tu vas te blesser, t'es pas assuré. Je suis un bimbo. T'es un bimbo. Bimbo pin-up des années 30. Ça a changé les années 30. T'es un Dumbo à la rigueur, mais t'es pas un bimbo. Oh, mauvaise langue. Messieurs, le petit bac. Ouais. Ouais. Je, trop passé dans la désuétude. Encore une fois, mot compte triple. Alors que tu changes ton intro. Non, j'en ai écrit une, je la garde. Bimbo, est-ce que vous pouvez nous donner les règles? Très bien, bonne réponse commune, ça veut dire que t'as fait une bonne réponse. Mais il a la même. Pas le seul. Un point. Mais non, ce serait pas un peu copy comics. Un point. Bonne réponse, mais t'es tout seul à l'avoir dit. Ok. Deux points. Deux points. Okay. Okay. Bonne réponse, plus t'as fait rire. Une personne. C'est-à-dire que c'était marrant. Et mais... si on s'auto-fait rire? Non, l'auto-plébiscite ne marche pas. Merde, dommage. Trois points. Et enfin, bonne réponse et t'as un rire général. Avec un E. C'est un rire aigu. C'est le rire que tu ne contrôles plus. Quattro puntos. C'est là que t'as fait rire l'assemblée et t'as fait passer un moment d'évasion. Parce qu'on est d'accord avec les règles. Ouais, ouais. Ça vous va? Ok. Les catégories. Schtroumpf inventé. D'accord. Si Peyo te redonnait le flambeau. Alors, comme pour les schtroumpfs, il faut qu'il soit un peu ludique. Il sert à quelque chose. C'est fou de savoir écrire schtroumpf bien et pas rire général. Ah oui, c'est vrai. Excuse crédible de retard. D'accord. Donc, va falloir un peu la jouer en stand-up, ça là. Pseudo de rappeur. Alors, si demain tu devais te lancer dans une carrière de rap, quel serait ton nom de rappeur? Très bien. Phrase de mec bourré. Donc, phrase qui ne peut pas être dite par un mec sobre, ouais. Mais un mec bourré peut d'accord, la sortir avec un okay. Pire moment pour dire je t'aime. Il y aura une petite mise en situation et c'est là que vos talents de stand-up, d'accord. De je sais pas si vous avez remarqué, marchera. Voilà. Compétence inutile. Donc, une compétence que tu as qui ne te sert pas à grand chose dans la vie. D'accord. Pas mal. Application à créer. Donc, une application qui n'existe pas encore et qu'il faudrait créer. Et qui oh te putain. Sert et enfin, insulte pas crédible en embrouille. C'est une insulte qui existe vraiment, mais tu fais pas du tout peur à ton assaillant. On essaye d'avoir une bonne humeur, une bonne entente et surtout de la mauvaise foi. Et beaucoup de bonhomie, si possible. De la bonhomie. Tu me dis stop, monsieur Le Gablin. Ok. Stop N. Moi, je suis sur un stop. Schtroumpf inventé. Alors, le schtroumpf, ni pute ni soumise. Ça marche. C'est un schtroumpf de guerre. T'es pas, même pas obligé de la vendre, ça. J'ai marche. Eu un gros rire par là-bas. Ouais, donc, ni pute ni soumise, oui. T'as un 3. Monsieur Tranier. Non, sinon je recycle plus une vanne, je préfère dire non. Oh, ça joue stratégique. Ouais, ouais, le Stéphane Curry du petit bac, là, il préfère tenter un shoot à 3 points ouais, plutôt que d'aller au lay-up. Schtroumpf Navarro. Pas mal. Celui qui... Il résout les enquêtes. Exactement. Est-ce qu'il a un peu un accent feuge et tout ou pas? Il est Gargamel. Oh, Gargamel. Qu'est-ce que t'as fait encore? Sur ma mère, tu veux me niquer. Magnifique. Putain, j'ai honte de mon schtroumpf. Le schtroumpf Nem, c'est très raciste. Oh, non. Mais il y a un chinois dans les schtroumpfs. Mais non, mais il y a un chinois dans les schtroumpfs. Mais non. Le schtroumpf chinois, on va appeler schtroumpf chinois, on va appeler schtroumpf Nem. Pas dès la première réponse, Baptiste, ouais. Non. Oh là. Michel Leb m'envoie LOL. Je mettrais un point. Tu te mets 0? Non, je me mets 0. Il est sympa. Non, je me mets 0. Bravo. Écoute, tu peux te mettre un point pour le fair play. Non. Excuse crédible de retard. Non, mais en fait, j'ai suivi Waze. C'est la même idée. Non, mais en fait, j'ai pas suivi Waze. N'allez jamais me croire. Ni de poule accident, bouchon sur la A4. Non, mais il y a trop de feux rouges à Paris, tu vas péter un câble. Il a dit que c'était sur la même idée. Moi, je mettrais un puntos parce qu'il y a le nom mais et moi, j'ai mis un nid de poule. Moi, j'ai eu une recherche. Ouais, t'as eu plutôt un 2. Pseudo de rappeur. Baptiste, t'as quelque chose? Merde, non. Ah oui, d'accord. Non, ah oui. Non, allô, Michel Lem. Je suis un génie. Oui. Non. Qu'il n'y aura que des réponses racistes. Apparemment, t'es arabe quand tu fais du rap. Ouais. Du coup. Mais je connais pas les rappeurs. Moi, je mettrais 2 points parce qu'il y a eu des rires. Tu prends tes 2 points. 2 points. 95 représente. Pas parce mal. Que je sais, parce que j'ai... on n'a pas dit rappeur français. En plus, il y a de plus en plus de Belges. Ça se tient. Oh là, ça se tient. Vrai. Ouais, je joue juste, les gars. Je joue juste. Je vous ai déjà dit. C'est vrai que c'est un peu le Iniesta du petit bac. Moi, ce serait nitroglucide. Et j'en vois fort et je mange du sucre. Prends ton quattro puntos. Ah putain, j'allais dire. T'es sur un quattro puntos. Putain, sympa. Nachos locos. Oh, un truc qui est un peu plus, tu vois. Rappeur mexicain, rappeur, tu vois. Ouais. Et toi, tu prends ton 2 points au calme. 2 points, ça va. Tranquille. Phrase de mec bourré. Ne plus jamais faire 1 mètre de shot. Il maîtrise beaucoup trop le bourré. Ouais. Tu peux prendre 2 points. Tu prends même 3 points. 2 points, non, allez, 2 points. Il y a eu du rire, mais okay, c'est pas modeste. Vous êtes sympa, vous êtes sympa. Oh, c'est le petit bac de la gentillesse. Non.
J'étais trop bourré là. Moi qui conduis. Il y a de la prévention. Deux ou un point. Trois points là. Oh, mais j'ai eu mourir. Pire moment pour dire je t'aime. Nîmes Dijon. Devant un Nîmes Dijon. Je savais que j'allais vous avoir sur Nîmes Dijon. C'est beau, putain. Ah, 4 points, pas trop content. Allez, lui, la foutre. Niglolande. Là, je me dis, c'est quand même pas le meilleur parc d'attraction pour dire je t'aime. C'est pas pire moment, pas pire endroit, enfoiré. Non, fallait le contextualiser. C'est vrai, c'est Niglolande au mois de novembre. Ouais, c'est vrai. Noctambus. 4h du mat à Pigalle. Ah ouais, mais là, c'est une agression. Compétence inutile. Moi, j'ai mis nez de godasse. C'est-à-dire, je peux savoir à qui elle appartient. Ah, ça, c'est à Baptiste, ça. Il les a encore oubliés à la maison. Moi, j'ai narcoleptique. Alors, je suis relou comme compétence. Oh, c'est pas une compétence, c'est une maladie. 0,25 parce que c'est un mot compliqué. Franchement, je prends. J'en suis au niveau où je prends, ok. J'ai mis nénupharologue. Alors là, c'est pas un c'est le podologue des nénuphars. Non, mais c'est le podologue des nénuphars. Business très limité. Je l'ai pas senti. Ouais, c'est vrai que c'est. Oui, en la 10 ans, je le savais que c'était. Moi, je mettrais 3 points parce que c'était marrant. Oui, non, mais c'était pas marrant. Si, l'explication aide. L'explication. C'est le podologue des nénuphars. Vous allez arrêter avec ce fair play qui pue de cul là. Ah, c'est 3 points. 3, sympa. Même 4 points. Ne sois pas avare. Application à créer. Nunchaku Master. C'est une application qui t'apprend à. À faire des tutos de Nunchaku. Ouais, Nunchaku Master. Nunchaku. Et ça, faudrait vraiment la créer. Tu penses que c'est indispensable? Ouais, je pense vraiment. Bon, un point. Ouais. Vraiment. Oui. Mais sinon, c'est vraiment loin d'être une bonne idée. Moi, ouais, c'est un peu une application de tueur en série, quoi. Mais c'est Nichon Ninja. tu coupes des nichons. Le premier truc auquel je pensais, c'était des nichons. Et du coup, là, je me suis dit, Nichon Ninja. J'étais sur Nounou Uber. C'est comme un Uber de la Nounou. Oh putain, c'est bien. Pas mal. Ça sert, hein. Ouais. Bien ça. Ouais c'est pratique. Faut quand même la cerner quand même un peu. Tu confies pas tes gosses. Bah, elle aura des étoiles. Elle a des étoiles. Moi, je trouve que c'est bien. Mais après, en vrai, dans ma vie de tous les jours, entre aller chercher mes gamins et apprendre le Nunchaku, je sais pas ce que je choisis. L'application qu'il faut créer, c'est Nénupharou. Non, mais j'y crois pas. Non, faut se faire livrer des nénuphars. T'as jamais eu besoin de nénuphars. C'est du recyclage, monsieur. Tu veux traverser un étang. C'est du recyclage. Là, pour moi, c'est zéro. Loser. Et l'avertissement. Ouais, zéro et avertissement général. Insulte pas crédible en embrouille. Nique ton vieux slope. Ouais, ça fait pas peur. Espèce de narcotique. Narcotique. Pour que Baptiste soit atterré, il fallait... Moi, je laisse la chance à tout le monde. Et là, narcotique... C'est pas une insulte, narcotique. Narcotique, c'est une insulte, non? Ah bon, c'est une insulte. Est-ce que je peux avoir un point derrière? Non. Loser. Je vais donner un peu de joie, les gars. Même pas un point. Non. Nigo des îles. Raciste encore une fois! Non! Nigo des îles! Non, ça se tient. Allez, j'attends le stop. Stop! S! Alors! Ah! Schtroumpf inventé! Schtroumpf sexophone. Je suis parti sur un sexophone! Schtroumpf sexophone et il fait du sexe au téléphone. Alors, téléphone rose un peu. Moi, je mettrais 3 points. Non! Il veut dire rire! Schtroumpf sans tiep. Ouais, c'est un peu nul. Qu'est-ce qu'il fait? Ouais, c'est un tarbat, quoi. C'est un tarbat. Il est de mèche avec Gargamel. Ouais, il donne des indices et tout. Bon, allez, un, on part sur un. Pas mal. Schtroumpf suce-boule. Pas mal. Il est toujours derrière le grand Schtroumpf. Ouais, mais si je peux me permettre, tu vois. Le mec approuve tout ce que fait le grand chef. D'accord. Okay. Moi, il y a le Schtroumpf serrurier. J'ai pas besoin de. Ils ont pas de clé sur les portes. Pas de serrure dans les champis. Justement. Est-ce qu'il n'y a pas justement un taf là à prendre? Moi, je pense que les Schtroumpfs subissent un génocide au moment de la cueillette des champignons. C'est sur vrai. En vrai, leur village est décimé. Hein. Excuse crédible de retard. Sans passe Navigo. Sans vélo. Comment voulez-vous? Vraiment? Voilà. Benjamin, asseyez-vous, mais c'est la dernière fois! Saleté de greffe. Saleté de greffe! Ah, ouais, bien. Saperlipopette, c'est trottinette! Je t'ai eu à Saperlipopette, évidemment. Alors, sûr, hein. Désolé, je suis en retard. In English, please! Sorry! Ça marche bien! Pseudo-drapeur, moi j'ai sauce samouraï gangsta.
Chazammer du 93. Du 93. Mais ça, c'est un pseudo. C'est un pseudo Hotmail, ça. C'est nul. Chazammer du 93, c'est pas bien, ça. Mais le mec, c'est pas un rappeur, il chazame les gars, quoi. C'est le copie comique du rap. Attends, on n'a pas dit les points d'avant. Dites les points, les gars. Alors, sur les ça grammes, sur les ça perd les t'as eu un quattro puntos. Moi, j'ai quattro puntos, toi, t'as eu un. Deux. Salsé de grève. Deux, au moins deux. Moi, j'ai Skyway SNCF. Skyway, comme le Skyway, le whisky, Skyway. Skyway SNCF. Pourquoi SNCF? Parce qu'il fait des genoux, oui SNCF. Ah oui. Ah oui, c'est peut-être un peu compliqué. Je me mets un. T'as un point de storytelling. Merci, c'est ça. Le nom est taché, mais l'histoire est attachée. Saumon sauvage. Ça marche. Parce que c'est un rappeur à contre-courant. Oh, c'est bon. Il a même la catchline. Oui, c'est vrai. Il est bon. Phrase de mec bourré. Suze. Là, t'as 4 points. Ouais. Ouais, t'as 4 points, là, tu les prends. Si seulement mon père m'avait dit je t'aime. Oh, c'est méchant. C'est mélancolique. Elle est technique. C'est mélancolique. Elle est technique. Ça, c'est un 3 points. 2, allez, je mets 2. Je m'enlève 2. Sois pas trop gourmand. Si j'ai pas vomi, c'est que je suis pas encore totalement bourré. C'est ta voix de mec bourré, vraiment? C'est ça, je deviens un peu Patrick Bruel. Un peu, ouais. Je prends 2, pareil. Hein. Sur la tête de ma mère. Elle me kiffe. Pire moment pour dire je t'aime. Sur une digue. Cry, c'est pas un moment, c'est un endroit. Sur une digue, ça fait. Je voulais miser sur le mot digue. Non, mais digue, le mot est marrant. Mais une digue aux Seychelles, ça, c'est romantique d'un coup. J'avais spectacle de Benjamin Tranier. Oh non, c'est méchant. Parce que c'est au Trévise et on est très mal installé au Trévise. Bah, faut pas bouger, sinon ça fait bouger tout le rang, mais sinon. Bah, Trévise, c'est pas la pire salle. C'est pas la pire salle. Si l'action. Ah, et c'est. C'est pas mal, hein. C'est technique aussi. Compétences inutiles. Moi, j'ai rien, par exemple. Moi, j'ai suspendre un malaise. C'est-à-dire qu'il y a un malaise, t'arrives, tu le suspends. Mais il reprend derrière, ce qui ne sert à rien. Pas mal. C'est vachement tiré par les cheveux, mais c'est très tiré par les cheveux. Mais c'est assez poétique. Et moi, j'ai bien aimé la gestuelle. Bon, allez, moi, je te mettrai un point. Application à créer. Le Shazam du cul. Mais il nous a remis un Shazam. Mais tu vois. Il serait pas en copie comique de bac. Non, mais c'est dingue. Bon, allez, 2 points. Moi, c'est une application qui s'appellera Smellit. Et c'est genre, hop, tu fais le Shazam de l'odeur. Moi, j'ai l'application Slip Propre. T'es chez Watt, il n'y a plus de slip. Et on te livre des slips. Et on te le livre en drone. Touffe ta fenêtre et t'as un slibar qui arrive, qui se dépose. Moi j'aime bien. Et qui repart. Moi j'ai SOS Briquet. SOS Briquet, c'est un inspecteur qui vient comprendre qui t'a péta ton briquet. Parce qu'on te péta toujours ton briquet. C'est vrai. C'est pas faux. Insulte pas crédible en embrouille. Moi c'était salopio. Salopio, c'est une excuse. Salopio. C'est une insulte de vieux. Ça fait deux. Yes. Sac à foutre. Pas mal. En plein MeToo, c'est anxiogène. Ouais, mais il faut le dire. Sale taupe. Oh. Oh non. Ouais. Alors la taupe, c'est parce qu'elle a des lunettes. C'est ça. Salopette de Damido. Ah oui, j'ai fait ça, ouais. Non, c'est beau. J'ai mis moins un. Moins un. Ah ouais. Au jeu de mots. Non, parce que c'est du bashing. Là, on commence à un petit peu être border. On est border, là. Sur Damido et sa salopette. On est un peu border. Ah non, on a été trop loin, là. Alors, mid-stop. Elle. Elle. Et stop. Et top. Stop, putain, les gars. Putain, chaud. Allez, schtroumpf inventé. Le schtroumpf lupo-sisseur. Lupo. Sisseur. Lipo-sisseur. Mais t'as écrit quoi? Lipo-sisseur. N'importe quoi. Bah, vous êtes là, vous jugez. Schtroumpf lesbos. Mais c'est une schtroumpfette, il peut pas être schtroumpf lesbos. Non, mais aujourd'hui. Ah, il est pas genré, c'est un schtroumpf non genré. Non, mais on sait plus. T'as 4 points, t'as tes 4 points. Lesbos. C'est un mot drôle. C'est pas sympa pour les lesbiennes, mais c'est un mot drôle. C'est un mot marrant. Moi, c'est schtroumpf fouille la brocante. On en a besoin, je suis désolé. Mais c'est vrai, ils en ont besoin. Bon, allez. 4 points et on est bon. Excuse crédible, retard. Laisse tomber, tu vas pas me croire. Okay. J'allais badger. Et en plus, ce mec qui badge, il voit les gars au loin, il fait... Oui, là, il se dit putain. L'autre sens. La faute a pas de chance. Ah, pas mal, la faute a pas de chance. J'aime bien. Ok, pseudo de rappeur. J'ai testé un Lavomatic Tac Boom. Lavomatic Tac Boom. J'achète pas l'album. Comment ça? Bah non. Moi j'avais Lardon Gang. La
Pardon, gang. C'est tellement naze. C'est bon. Ouais, toi, tu prends tes 4 points. C'est ce qui me correspondait le plus. Moi, j'ai Loch Ness Monster. Pas mal. Il est limite trop bien. Ouais, il est limite vraiment bien. Loch Ness ? Loch Ness Monster. Ah oui, il est mi-écossais, mi... Ouais, il a fait un Erasmus. Ah, il a plus fait un Erasmus. Ouais, il est bien. Il est bien. Moi, j'ai Lolo Merco, parce que c'est Lolo Ferrari. Et Lolo Merco, parce qu'il roule en Merco. Concernant les refs, est-ce qu'on peut se mettre à jour là-bas ? Mais Lolo Merco, c'est un nom de garagiste. Hein. Lolo Merco, c'est un garagiste. Je ne connais pas les rappeurs. Phrase de mec bourré. Les chiottes, c'est pas où. Il y a la réponse. Et on est chez toi, Robert. Pas mal. Là, pas, mal. Pas mal, c'est pas mal. Là, là, là. Oh, le bâtard là. Il a piqué ma balle. Allez, l'enculé. C'était sur les lacs du Connemara. Là, 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 là. Je suis vénère. Ah, c'est un point chacun. Moi j'en ai une, mais je suis peu fier de moi. Lustre-moi l'artichaut, c'est à Saint-Valentin. Bah non. Lustre-moi l'artichaut. T'as 3 points, ça m'a pas fait rire. Tu vous avez tous ça m'a pas fait rire. Si, pourquoi ça t'a pas fait rire? Parce que, en fait, c'est ramener du huc pour que ça soit drôle. Non. Tu vois ce que je veux dire? Allez, vas-y. On a pas eu beaucoup. Tu prends tes 3 points. Dire maman pour dire je t'aime. Pendant l'anulingus. Pardon, alors voilà, autant être dégueulasse, autant y aller tout de suite. Comme ça? Oui. Je t'aime. Ah, donc là, c'est toi qui te fais. Pas mal. Ah oui, bien sûr. Tu dis pas je t'aime pendant ça? Moi, je trouve. Moi, c'est un 4 points. Faut pas dire je t'aime quand tu fais une leuleu, un pied sur le visage. Tu vois ce truc? Je sais pas comment ils font les acteurs porno. Un lavement d'estomac. Pas ouf. C'est vrai que lors d'un lavement, c'est pas top. Compétence inutile. Moi, je veux pas un truc dingue, j'ai lire à l'envers. Donc ça sert à rien. Ouais, moi, j'avais. En plus, les mots ne veulent plus rien dire. Moi, ouais, non, mais c'est. J'y crois pas. Laveur de garrots. T'as des garrots, tu les laves. Des garrots, des clopes. Bah, des clopes, ouais. Une fois qu'elle est fumée. Et puis... Non, mais tu avant de la fumer, tu la laves. On a vu la tentative de jeu de mots. Ouais, mais... t'as voulu faire un jeu de mots. Ça passera pas. C'est une compétence inutile quand même. Ça passera pas. Application à créer. Moi, j'ai lapin malin. C'est le pendant de lapin crétin. Et qu'est-ce qu'il fait? Le lapin qui t'aide à faire tes devoirs. Mais lapin crétin, c'est un jeu où tu dois les défoncer. Justement, là, c'est un jeu où il t'aide à faire tes devoirs. Ouais, c'est 2 points. C'est sympa. Oui, c'est 2 points. Lâcheur de caisse au loin. Tu vois, genre, t'as envie de lâcher une caisse. Ouais. Tu fais ça et c'est un truc hyper bien fait qui fait un au loin. Et donc ça justifie l'odeur, ça justifie plein de choses. Je fais que des blagues de paix à mes enfants tous les jours. Donc moi je. Je dis oui, évidemment. D'office, c'est 44 points. Ah, 3 oui. Mais ça servirait. Si t'as fait mon paix préféré, t'as fait. C'est le meilleur. Qui est mon meilleur. Moi j'ai limite qui, lui. Et c'est pour savoir. C'est pour savoir qui imite Gérald Darron. Limite qui, lui. Vous connaissez l'appli La Fourchette? Bah moi j'ai inventé la Touillette. C'est ça recense tous les. Distributeurs de machines à café qui sont bons. J'ai déjà eu 4 mails de la Silicon Valley qui viennent de me dire tais-toi. Allez, 1 point sur la Touillette. Insulte pas crédible, en embrouille. Loustique. Fais pas peur. T'as 4 points. Bah, oh là, bah, 4 gars. Moi j'en ai un sur 1 million. Lécheur de zigounette. Je pense qu'elle est crédible en embrouille celle-là. Lécheur de zigounette. Zigounette, tu dis pas zigounette. Tu dis pas zigounette. Moi j'avais. Lévrier afghan. Mais ça va vite, hein, lévrier afghan. C'est quelqu'un d'assez mince. C'est une insulte de chauffard. Zéro, monsieur. C'est une infamie. Zéro. Alors, les totos. 38. 41-25. 48. Oh là là, le beau gosse. 52. C'est donc toi qui as perdu. Non, moi, 41-25, c'est Baptiste qui a perdu. C'est 38, moi, j'ai perdu. Oh là là. Et bah, mortel. Et bah, merci, les gars, c'était un plaisir, mes petits loustiques. Merci à vous. C'était un plaisir, les petits loustiques. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous auriez mis pour la lettre. Une lettre qu'on a pas faite. La lettre B, tiens. Pour la lettre B. Baptiste et Benjamin. Eh bien, c'est magnifique. Superbe. On vous aime, on vous embrasse. Amour, abonnez-vous aux chaînes. On va mettre les Instagram, les réseaux, parce que ces gens. Ont des pages de très bonnes factures. Merci. C'est vrai. Je mets rien, mais je suis toujours là. Et c'est pas pour, et c'est pas piqué des hannetons. On vous aime. Aimez-nous vivants. Allez, putain, c'est beau. À très vite. Comme ça, c'est beau. Bon, on espère que t'as kiffé ce petit bac. N'oublie pas de nous dire ce que t'aurais mis en commentaire. Et surtout, t'oublie pas de t'abonner. Et puis tu lâches un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Mais surtout, oublie pas d'aller checker notre nouvelle chaîne, Les Fables d'Odaïdako. Allez, va jeter un coup d'œil. On te fait la bise.